Château royal où les souverains venaient se reposer au IXe siècle, Donchery devint un refuge pour les religieux de Saint-Médard contre les incursions des Normands, après que Charles le Gros le refit don de ce domaine de chasse en 887. Rapidement, les moines construisent un prieuré, permettant ainsi le développement progressif du village et d'une importante activité commerciale. C'est en 1005 que s'établit le marché hebdomadaire de Donchery. Important poste de surveillance, la ville fut entourée d'épaisses murailles jusqu'à la réunion de Sedan à la France en 1673. Mais auparavant, en 1606, les résistances du duc de Bouillon amenèrent Henri IV à Donchery, à la tête de 35 000 hommes, avec l'intention de se rendre maître de Sedan. Le traité de Torcy termina la querelle à l'amiable et empêcha seul l'exécution de ce dessein. C'est d'ailleurs de sa demeure donchoroise qu'Henri IV écrivit à la belle Gabrielle d'Estrées cette phrase devenue célèbre à Donchery : « Plus heureux que César, j'ai vaincu avant d'avoir vu. » Malheureusement, dès lors que Louis XIV devint maître de la principauté de Sedan par la force des armes, Donchery n'offre plus le même intérêt pour l'État. Le 26 novembre 1673, un arrêt du Conseil du Roi réunit le gouvernement de Donchery à celui de Sedan et ordonne de démolir les fortifications, les tours et le pont de Donchery, ce qui fut exécuté 3 ans après, en 1676. Le 30 août 1690, un nouvel arrêt du Conseil d'État permet de fermer la ville d'une nouvelle enceinte de murailles flanquée de demi-bastions, telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Notre ville, située au bord de la Meuse et au centre de l'Europe, fut le lieu de passage des guerres successives du XIXe et du XXe siècle. C'est après les célèbres combats de Bazeilles, des 31 août et 1er septembre 1870, que Napoléon III vint à Donchery le 1er septembre 1870, rencontrer le chancelier Bismarck dans la maison du Tisserand, afin d'obtenir des conditions de capitulation moins rigoureuses. « Je suis prisonnier », aurait soupiré Napoléon III. « La Belgique est si proche », aurait répondu le chancelier, avant de prier l'empereur d'aller avec lui, rejoindre le roi de Prusse au château de Bellevue. C'est à la fin du mois d'août 1914, les 28 et 29, que Donchery subit sa première destruction irréversible. Les Allemands, fous de rage après avoir constaté que l'armée française s'était enfuie en détruisant le pont de Meuse, incendièrent systématiquement plus de la moitié de la ville ainsi que l'église. Seule l'église fut reconstruite à l'identique. C'est à partir de ce moment que l'urbanisation de Donchery se modifia avec la reconstruction. Les dégâts étaient tellement importants que le commandant Bourges, rendant visite à son père en 1919, alors qu'il était en poste à Toulon, obtint des dons publics et privés de la ville de Toulon afin de parrainer Donchery dans sa reconstruction. Malheureusement, le passage du conflit 39-40 n'épargna pas Donchery, puisque l'autre moitié de la ville fut détruite par les bombardements, ainsi que l'église à nouveau.
Malgré toutes ces guerres, Donchery est restée très active au fil des siècles. L'industrie du tissage y était florissante au XVIIIe et XIXe siècle, ainsi que la tannerie. C'est à la fin du XIXe siècle que se développèrent la fonderie et la métallurgie. Aujourd'hui, la zone industrielle bénéficie de la dynamique autoroutière de l'axe Sedan-Charleville. L'église de Donchery, d'architecture gothique, fut reconstruite après chacun des conflits mondiaux. Après les églises monumentales de Mouzon et de Mézières, il n'en est guère de plus remarquable dans les environs. L'étude de son architecture nous y montre trois époques bien distinctes. Le chœur et le sanctuaire sont du XIIe siècle, où l'on voit commencer l'ogive. La fenêtre des fonds, celle du sud et de l'est du sanctuaire, sont du XIVe siècle, et les grandes fenêtres du nord et du sud des nefs sont du XVIe siècle. Cette église, d'abord simple chapelle du prieuré, est construite pour remplir les vœux du roi Charles le Gros, a dû s'agrandir avec la population. Sa longueur totale est de 33 mètres. Elle est surmontée, au-dessus du transept, d'un clocher à quatre pans, dont la hauteur à partir du sol est de 33 mètres. Il faut noter également le style grec Renaissance de l'orgue, installé vers la fin du XVIe siècle et rétabli par Boisard en 1702. C'est durant la Première Guerre mondiale que les Allemands pillèrent la tuyauterie. Cette église a pour patron saint Onésime, septième évêque de Soissons, qui mourut le 13 mai 380. C'est à la suite du vol d'une sainte Anne trinitaire, datée de la fin du XVe siècle, que le reste du patrimoine statuaire de notre église et de celle de Ledancourt a été mis sous protection. Ce patrimoine est constitué de 24 objets, 21 statues en bois du XVe au XIXe siècle, un Christ en ivoire du XVIIIe, une console Louis XVI du XVIIIe et une sainte-barbe en pierre polychrome du XVIe. Ce sont les statues du XIXe siècle qui sont majoritaires, puisqu'elles ont remplacé une grande partie des objets dégradés par le temps, les guerres et la Révolution. Sans refaire l'histoire des saints patrons, tradition qui remonte aux corporations médiévales, nous avons pu conserver saint Joachim, daté du XVe siècle, qui, marié à Anne, engendra Marie, mère de Jésus. Il s'agit certainement de l'une des plus belles pièces de notre collection restante. Le travail des intervenants a permis d'adapter, sans le défigurer, cette sacristie à sa nouvelle mission, en facilitant notamment l'accès des personnes à mobilité réduite, l'accès de tous à la culture, et en particulier des personnes handicapées, doit être une priorité des collectivités territoriales. Les portes de ce trésor du patrimoine communal s'ouvrent à tous, habitants de la ville et visiteurs de la cité. L'ouverture, tout comme la rénovation d'un lieu culturel, est toujours riche de promesses. C'est une ambition toujours actuelle qu'il nous appartient de continuer de mener à bien, à la hauteur du développement, de l'aménagement et du rayonnement culturel de nos territoires. Il nous faut remercier et saluer la forte implication de nos partenaires institutionnels que sont la DRAC, la région Champagne-Ardenne et le Conseil général des Ardennes. Ils ont apporté 75% du financement de cette réalisation, dont le montant total s'élève à 150 000 euros. C'est grâce à eux que cette sacristie retrouve une seconde vie. C'est grâce à eux que le patrimoine culturel et sacré de notre ville peut de nouveau être admiré par chacun d'entre nous.